donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo Octoly. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Octoly, je vous invite à revoir mes précédentes vidéos Octoly que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc là j'ai 4 choses de Nocibé. Et en fait, chaque petite chose, ils me l'ont envoyé, chaque petit produit, ils me l'ont envoyé dans des petits paquets cadeaux. Donc je voulais vous les montrer. Regardez, c'est trop choupinou. Franchement, ils ont vraiment bien fait. Et à chaque fois, il y avait une petite lettre de Octoly. Et c'est trop chou. Alors, j'en ai ouvert 2 pour voir un peu. Et franchement, c'est trop mignon. Ah, et pour ceux qui n'ont pas trop envie ou pas trop le temps d'aller voir mes anciennes vidéos Octoly, en bref, Octoly, c'est un site pour les youtubeurs où on peut recevoir des produits gratuits. Donc, je vais commencer par les 2 produits que j'ai déjà ouverts. Donc, le premier, c'est des paillettes en fait. Et c'est trop chou, c'est une petite pompe comme ça qu'on actionne. Je l'ai utilisée pour faire ma GRS parce que j'ai eu une compétition samedi et là on est mardi. Et franchement, regardez-moi ça, c'est trop choupinou. Et en fait, alors quand on chute comme ça, ça fait des paillettes sur le visage, c'est trop beau. Et ça sent trop bon, ça sent trop bon. Et j'adore les trucs avec les petites pompes. En bref, j'adore ce produit. Je mettrai 9 sur 10 parce que les paillettes, elles tiennent, mais ça va quoi. Donc ensuite, le deuxième produit, donc c'est toujours de chez Nocibé. C'est un petit coffret comme ça, trop chou. Et là, je trouve ça super bien parce que vous pouvez mettre de la part de pour, si vous voulez, l'offrir. Franchement, c'est trop chou avec le petit nounou et tout. Et en fait, le petit nounou, vous pouvez le remettre parce que c'est juste un élastique. Donc moi, j'ai reçu le coffret confiture de lait. Et il y a aussi le même en macaron framboise. Donc à l'intérieur, il y a une crème pour les mains à la confiture de lait. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est à la confiture de lait. Un lait douceur pour le corps, toujours à la confiture de lait. Un gel douche, une fleur de douche. Un gommage pour le corps et des petites étoiles. Et ça sent trop bon. Franchement, je ne saurais pas vous décrire c'est quelle odeur, mais ça sent trop bon. Et je vais vous offrir quelques petits produits de ce coffret à mon meet-up. Donc je vous remettrai la date et l'heure de mon meet-up dans la barre d'infos. Donc là, je vais l'ouvrir. Quand on l'ouvre, il y a un petit, je sais pas comment ça s'appelle, en rose, tout autour de la palette. Et donc oui, c'est une palette, donc voilà la palette. Et ça, c'est pour protéger le produit, donc c'est très bien protégé. Et regardez-moi, c'est trop beau. Donc, encore protégé. Ah, en fait la palette elle est là. Ça c'est juste pour pas l'abîmer. Puis il y a encore du papier protecteur. Tum, 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 tum. Tum, tum. Donc voilà. Je vais refermer la boîte cadeau. Donc c'est la Bubble Palette de Nocibé. Là voilà. Franchement, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Magnifique. Et donc là, quand on ouvre le premier petit, donc déjà il y a un miroir. Donc je ne vais pas vous... Donc voilà, il y a un miroir avec un film protecteur dessus. Il y a 2 petits... pinceau éponge pour les yeux, 2 petits pinceaux pour les lèvres, 2 pinceaux comme ça, je ne sais pas à quoi ils servent ceux-là. Mascara, donc franchement c'est bien rempli, hein. C'est que le premier étage en plus. Et 2 crayons, un noir et un rose, franchement c'est déjà bien rempli alors que c'est que le premier étage. Donc le voilà. Donc ouvrons ça. Oh,
Donc ça, c'est des fards à paupières. C'est trop beau. C'est marqué à chaque fois. Alors là, c'est marqué lipstick. Donc ça veut dire que c'est pour les lèvres. Trop beau. Ensuite, poudre et blush. Et enfin, rose et bleu. Ça aussi, c'est des fards à paupières. Donc franchement, en plus, ils coûtaient pas cher. Et regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment un truc de... C'est marqué ce que c'est. Franchement, je trouve ça super simple. Ah, et la palette, donc la Bubble Palette, on se souvient plus avec ma mère, mais on croit qu'elle coûtait vraiment pas cher. De toute façon, tous les prix seront en barre d'infos. Et là, on passe au dernier. Au dernier produit. Alors, je vais ouvrir. Alors, le set de pinceaux était dans un petit plastique. Franchement, il est canon. Il est trop beau. Et donc derrière, c'est marqué ce qui contient un pinceau poudre, donc le plus gros. Un pinceau blush, celui-là. Un pinceau paupière, celui-là. Un pinceau biseauté, celui-là. Et un pinceau mousse. Ensuite, comment ranger vos pinceaux? Rien de plus simple. Il suffit de déposer le pinceau aimanté du kit sur le miroir et le tour est joué. Pour maintenir la propreté du miroir, nettoyez vos pinceaux après chaque utilisation. Et en fait, les pinceaux, ils sont aimantés au miroir. Donc, pour les ranger, c'est super simple. Et ensuite, ils disent comment nettoyer les pinceaux. Donc, nettoyez vos pinceaux sous l'eau chaude avec du savon ou avec votre spray nettoyant pinceau Nocibé. Rincez abondamment et essorez doucement. Étape non nécessaire avec le spray nettoyant pinceau. Donc on va ouvrir. Donc il y a du scotch. Ah non, il n'y a pas de scotch. Je prends le côté où il n'y a pas de scotch hein, parce que c'est chiant le scotch. Ils sont rose gold, ils sont trop trop beaux. Magnifique. On va enlever et prendre. Ils se collent entre eux. Regardez-moi ça. C'est trop marrant. Et donc là, voici le miroir qui est aussi très très beau. Donc, je vais enlever le plastique du dessus. On fait. Donc je ne monte pas trop, sinon voilà quoi. Et donc, franchement, c'est trop trop beau. C'est trop facile pour les ranger. Puis après, on a juste à faire ça. Et voilà. Hein? J'adore. Il est trop, trop beau. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit commentaire. Désolée pour le bruit du frigo. Et si vous... Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye!